Rubrique, Pasteur Paul, moi j'ai une question. Merci beaucoup pour tout mot encouragement yo. Ça allait droit dans que nous n'app et souhaiter yon cordial bienvenue à toutes amis fek abonnés sous channel ça. Ou même qui poko fait ça, n'a encouragé ou abonner, remet et partager vidéo nous yo pour aider na édifier yon âme pour Jésus. S'il vous plaît, si vous avez une question, quittez la en commentaire. N'a content aider ou joindre une réponse qui basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Pasteur Paul, moi j'ai une question et moi j'ai deux amis qui t'a discuté, yon dit c'est l'église catholique qui premier l'église et l'autre l'a dit c'est l'église protestante qui premier l'église. Est-ce que c'est l'église catholique ou bien l'église protestante et vraiment qui premier l'église? Merci beaucoup pour belle question ça. Donc bon Dieu bénisse chaque monde et n'a continue rappeler que pasteur Paul pas un théosophe. Ça veut dire nous pas posséder la maîtrise de Dieu, nous pas qu'à prétendre que nous gagnons réponse pour toute question. Mais cependant nous croyons que avec la grâce de Dieu et avec les yeux de la foi, Saint-Esprit capable faire lumière jaillir. Est-ce que c'est l'église catholique ou bien l'église protestante qui est première église? Histoire l'église l'a montré que l'église chrétienne a pris naissance à Jérusalem le jour de la Pentecôte en l'an 33 après Jésus-Christ. Nous jeunes ça dans Actes 2 verset 1 à 11 mais n'appelez pour vous-même verset 1 pour venir verset 4 Actes 2. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est première église-là. N'a noté que pendant des siècles, l'église Jésus-Christ est fondée à être unie. Li pa trede ni l'église catholique romaine, ni l'église grecque orthodoxe, ni l'église protestante. D'après l'histoire de l'église, pendant 3 siècles, l'église était en bas gros persécution et en pile chrétien t'a mouru pour le nom de Jésus. Persécution ça a été permettre l'église l'arrêter propre. Et moun qui t'a servi bon Dieu tout bon et pardon persécution ça te permettre l'église d'être propre, c'est moun qui t'a servi bon Dieu tout bon au prix de leur vie qui te la donne pas ko gen l'autre intérêt mesquin te motiver moun vi membre de l'église. Leader yo pasteur l'église yo c'était de vrai appelé, c'est pas moun, c'est pas nèg qui t'a travaille pour vente yo ni te vin derrière richesse à tout prix. Cependant, en l'an 312 après Jésus-Christ, il y a un gros événement qui est arrivé qui te semblé un triomphe, qui te semblé une délivrance pour les chrétiens. L'empereur romain Constantin le Grand était dans une terrible guerre civile contre rival Maxence. Et avant dernier combat sanglant que historien relaye la bataille du pont Milvius qui était faite le 28 octobre 312 après Jésus-Christ, Constantin était ouais dans une vision, une croix lumineuse, une croix pleine lumière qui a brillé dans le ciel là. Avec Moussaïo qui écrit en grec mais qui était traduit en latin Hoc signo vinces qui signifie avec signe ça ou vainqueur. Constantin réveillé, il dit tête lui si m'gagne bataille là, m'a converti. Effectivement, Constantin gagne bataille là, il converti. Et rapidement le passé l'ordre pour suspendre persécuter chrétiens et il prend décision pour faire le christianisme devenu la religion officielle sous tout empire romain. C'est à partir de là tout le monde t'a couru vin entrer dans l'église yo
et yo t'ap baptisé par bon papa kèt pour intérêt, pour privilège, pour position, sans la vie yo pas changer, sans yo pas régénérer ni sauver. Yo te vin chercher ça m'ta capable brûler, yo te vin chercher zo pour yo soucer. Et c'est dans année 445 yo que yo pral déclarer évêque romain chef suprême de l'église occidentale. En 510, yo déclare que c'est seul bon Dieu doué juger pontife ou bien chef l'église romaine nan, et li pa gen aucune autorité ou gouvernement terrestre qui et gen droit juger. De là, nous commençons à jouer une vraie base prédominance ou bien domination l'église catholique romaine. Et en 741, l'église catholique pral formuler la doctrine de l'infaillibilité papale. En 1870, Concile Vatican Ier adopté doctrine infaillibilité papale là dans constitution l'église catholique. Donc à noter que la doctrine de l'infaillibilité papale il déclare que le pape est infaillible, qui signifie que pape là pas qu'à faire erreur. Donc dans période Moyen Âge, l'église a pral tomber dans sa historien l'église orilé ou bien théologien orilé l'âge des ténèbres avec une bonne doctrine, une bonne enseignement anti-biblique tête en bas, et ça pral causer une dégradation presque généralisée des leaders de l'église qui était plus sensible pour manger que pour nom fidèle. Et c'est comme ça, le 31 octobre 1517, Martin Luther, à cause de toutes des autres qui ont passé dans l'église là, pour afficher 95 thèses sur muraille l'église Wittenberg pour proposer un débat sur gabji qui a passé dans l'église là. C'est ça qui pral déboucher sur ça la réforme protestante. Et c'est là yo pral rele group moun qui te soutenu position Luther et qui pas d'accord à ça t'a passé dans l'église yo protestant, parce que yo t'a protesté contre saleté dans l'église yo. Donc en conclusion, première église là, li pas ni l'église catholique romaine, li pas ni l'église protestante, mais yo l'église chrétienne pentecôtiste côté le Saint-Esprit est à l'œuvre à 100% et côté en pile miracle à prodige t'a fait. M'espère ça t'aide. Amen. Merci en pile pasteur, nous édifier. Zamim, si vous faites découvrir channel ça, n'a invité ou abonner, remet, commenter, partager vidéo ça pour plus nam k'a béni. Pas oublier Jésus-Christ remet en pile, la retourner bientôt. S'il vous plaît, invitez Jésus vienne dans la vie ou si vous pouvez faire ça. Juste répéter coup de prière ça avec nous. Seigneur Jésus, moi reconnaître moi c'est un pécheur. Moi crois où tu es mort pour moi. Moi remets tout la vie. T'en prie vienne dans cœur. Sauve-moi. Amen. Que bon Dieu, que bénédiction bon Dieu couvre-moi.